Alors une des particularités, c'est de laisser les animaux s'exprimer. Un animal que vous élevez à la main, ça demande énormément de réflexion, de ne pas l'éloigner de sa structure sociale. Un petit lion, c'est pas fait pour vivre à la maison avec un petit chien, un petit chat. Ces animaux, on va les laisser, ils ont des catiches, vous voyez, hein, les animaux sont bien. Les mères vont mettre bas dans leur petite catiche, bien à l'abri de la vue du public. C'est ça qu'il faut savoir. Donc on ne peut pas vous appeler, dire « venez voir les bébés ». Ben non, hormis, on l'a fait une fois sur les panthères de l'amour avec des collègues à vous, parce qu'on a mis des caméras, vous voyez, des tas de trucs sans importuner du tout. Mais on ne va pas prendre un bébé tigre ou un bébé « oh, regardez le petit comme il est mignon ». Ça, on ne le fera pas, même si c'est joli, même si ça pourrait faire venir beaucoup de monde. On n'a pas cette nécessité-là. Donc les femelles élèvent leurs petits. Et puis quand les petits ont 30 jours, 40 jours, 50 jours, ce qu'on a pu voir cette année avec les bébés pumas, vous regardez sur les réseaux sociaux, ils ont été suivis d'une façon absolument extraordinaire. Les bébés pumas, dès qu'ils commencent à gambader, exactement comme dans la nature, hop, ils vont sortir un peu, un quart d'heure, et les gens qui les verront seront moins nombreux, effectivement, que dans un zoo classique. Mais ce que vous voyez est absolument fantastique. Vous voyez la mère qui sort de la catiche, qui va se coucher, se mettre sur le côté et qui va en ronronner. Et puis, eh bien là, vous allez avoir les petits qui vont sortir 30 secondes, 40 secondes, qui vont aller boire. Donc, pour pouvoir apprécier toutes ces naissances, ben, il faut rester la journée. On n'intervient pas. Le vétérinaire va intervenir une fois pour les sexer et les pucer, pour respecter la loi. Vous savez, 80% des médicaments sont pris dans la nourriture. Hein. On n'anesthésie pas des animaux pour leur donner un comprimé, quoi. Enfin, faut juste réfléchir un peu. Hein.